بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 15 sur le théorème de Thalès, niveau 3e année collégienne au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Soit la figure suivante, telle que IJ est parallèle à la droite BC. Petit 1, justifier que X sur X plus 4 est égal à 5 sur 8. Petit 2. Calculer la distance AI. Cette distance-là, AI. Allez-y, prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez justifier l'équation X sur X plus 4 est égal à 5 sur 8. Et après, vous allez calculer la distance AI. Ça y est, vous avez terminé? Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit 1. Justifiant que X sur x plus 4 est égal à 5 sur 8. Comment on va faire pour justifier ça? Oui, on va utiliser le théorème direct de Thalès sur le triangle ABC par exemple. Vous avez I, c'est un point de la droite AB, J, un point de la droite AC, tel que IJ est parallèle à BC. Donc AI sur AB est égal à quoi? Je répète, AI sur AB, oui, est égal à AJ sur AC, qui est égal à IJ sur BC. Et je remplace AI par X, et AB par X plus 4, parce que vous voyez la distance AB, c'est X plus 4. Et je remplace IJ par 5, et BC par 8. C'est ce que je vais faire maintenant. Soit le triangle ABC, soit le triangle ABC, on a le point I qui appartient à la droite AB, et J qui appartient à droite AC, tel que IJ est parallèle à droite BC. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, on a AI sur AB est égal à AJ sur AC, qui est égal à IJ sur BC. Et je remplace. AI, c'est X. AB, c'est X plus 4. AJ, inconnu. AC, inconnu aussi, ça ne m'intéresse pas. Bon, IJ, c'est 5. Et BC, c'est 8. Ici, je vais confirmer pourquoi AB est égal à X plus 4. Car AB est égal à AI plus IB. Et AI
comme vous la voyez dans la figure CX, cette distance CX, et IB, c'est 4. C'est pourquoi j'ai remplacé AB par X plus 4. Voilà. Donc, je vais prendre ce rapport et celui-là. Ils sont égaux. D'où X sur X plus 4 est égal à 5 sur 8. Et c'est terminé. Pour la première question, bien sûr. Passons maintenant à la deuxième question. Calculons AI. Ça revient à calculer quoi? Oui, ça revient à calculer X parce que AI est égal à X. On a AI est égal à X. Cherchons X. On a X sur X plus 4 est égal à 5 sur 8. Donc je vais utiliser une propriété concernant les proportions. Donc X fois 8 est égal à X plus 4, le tout, fois 5. Donc X fois 8 est égal à 5 facteurs de X plus 4. Et je vais résoudre cette équation. X fois 8, c'est 8X, qui est égal à 5X. Le 5 fois 4, c'est 20. 8X moins 5X est égal à 20. 8X moins 5X, c'est 3X, est égal à 20. Finalement, X est égal à 20 sur 3. Conclusion. La distance AI est égale à 20 sur 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif du Collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.